Déborah était une petite fille très jolie. Elle avait des cheveux roux et lisses qui retombaient sur ses épaules et des jolis yeux verts en amande illuminaient son visage rond. Elle n'était pas très bavarde et n'avait pas beaucoup d'amis, hormis Anna et Mathilde, deux sœurs. Elles passaient beaucoup de temps ensemble et aimaient notamment jouer à la dinette ou à la coiffeuse. D'ailleurs, la pauvre Déborah s'était retrouvée avec une coupe au carré plus que désordonnée un beau jour. La maman d'Anna et Mathilde était furieuse. Elle avait tenté de minimiser les dégâts avec quelques retouches, mais en vain. Mais elle avait fait de son mieux. Les petites filles étaient inséparables. Du moins, pendant plusieurs années. Car plus le temps passait, plus les trois amies se perdaient de vue. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent quand on grandit. On commence à faire des études, on déménage, ou bien on ne se supporte plus. Mais peu importe. De toute manière, Déborah avait l'habitude qu'on la délaisse. Après tout, elle n'était pas très bavarde. On pouvait vite se lasser d'elle. Cependant, elle parvenait toujours à se lier d'amitié avec des personnes qui, comme elle, étaient discrètes de nature. Elle aimait particulièrement traîner chez l'antiquaire de sa ville. Être entourée de vieilles babioles, c'était ça son truc. D'ailleurs, ce fut là-bas qu'elle rencontra Timothée, un jeune homme aux cheveux de jais et à la peau hâlée. Tout comme Déborah, c'était un habitué et leurs chemins se croisaient souvent dans cette boutique. Ayant piqué l'intérêt du jeune homme, celui-ci avait même demandé des informations sur elle auprès de l'antiquaire, comme son prénom, son âge ou d'où elle venait. D'ailleurs, le vieil homme s'était empressé de lui annoncer la nouvelle, enthousiaste comme il était. « On dirait bien que tu lui as tapé dans l'œil, ma belle. Je ne serais pas étonné de le voir ici plus souvent, juste pour tes beaux yeux. » Déborah souriait. De toute façon, c'est tout ce qu'elle pouvait faire, emprisonnée dans ce foutu corps de porcelaine. Elle souriait quand ses propriétaires la faisaient chuter et fissurer son beau visage. Elle souriait quand ses maudits gamins prenaient leurs ciseaux pour rendre sa coupe plus horrible qu'elle ne l'était déjà. Elle souriait quand on l'abandonnait chez l'antiquaire pour la vendre à prix d'or. Cela faisait plus de 100 ans que son âme était piégée dans ce corps étroit. Comment en est-elle arrivée là? Ça, c'est une autre histoire.